Ouais. Rudy Minati, jette tout de suite ce couteau. Mais Seigneur, je m'ennuie. Ce n'est pas mon problème, Masta. Tu as une mission à accomplir. Retourne dans ta chambre tout de suite. Ok, salam à tous les frères et sœurs. Rudy Minati, à tous les soldats Rudy Minati, encore une fois, Masta SEX. Aujourd'hui, petit décryptage, nous allons nous intéresser au clip de Smoke CDM. Pour ceux qui ne connaissent pas Smoke, c'est un rappeur originaire de Papouasie-Nouvelle-Guinée, mes frères et sœurs. Le pays où on crée les graines de café. Smoz, c'est la contraction de Cosmos. Et pourquoi ce nom, mes frères et sœurs? Parce qu'il est bel et bien sur Terre, mais son esprit est ailleurs. Tu m'as rabouté ma gueule. On est immortel, gros. J'ai signé un pacte. Et je pouvais vous dire qu'il est en train de ramener le satanisme à un niveau extraordinaire, mes frères et sœurs. C'est du jamais vu. Et si là, il est en featuring avec le rappeur Dimo. Dimo n'a pas choisi son nom au hasard, mes frères et sœurs. Parce qu'à l'envers, ça fait maudit. Grosse force au soldat Rudy Minati qui l'a remarqué. On est ensemble, mon frère. Les portes du paradis te seront ouvertes. Bon, bah, je pense qu'on va y aller, là. J'ai pas trop envie de parler. J'ai envie d'analyser, là. J'ai faim. C'est parti. Oh, regardez, ça commence. Il nous menace. Je suis dans le bolide de sa mère, je pense au bolide du matin. Je deviens alcoolique sa mère parce que j'ai un côté malsain. Vous voyez mes frères et sœurs, c'est explicite, il le dit lui-même. Il dit qu'il est pourri de l'intérieur, que c'est une mauvaise personne, que c'est l'un des serviteurs du diable. Et il l'assume, il le dit clairement. Pourquoi vous répétez ces paroles? Vous-même vous condamnez à un enfer en répétant ce qu'il dit. C'est des sexuels. C'est leur mère que je vais violer. C'est leur mère que je vais violer. C'est leur mère que je vais violer. Il veut être comme Tony Montana, c'est-à-dire millionnaire, être richissime, être respecté partout. Pour eux, c'est la fin car ils vont mourir, vu que je vais leur empêcher d'atteindre leurs objectifs, étant donné que c'est moi le plus grand serviteur du diable, mes frères et sœurs. C'est seulement Baphomet, il va seulement retenir moi. C'est ce qu'il est en train de dire. Oh, vos rappeurs là, ils disent des choses parfois, c'est des menteurs. Moi, je dis la vérité. Sur la planète Terre, ne faites confiance à personne à part Rudy Minati, mes frères et sœurs. Je suis la voix de la vérité. Je les fumerai tous avant la douce. Là, il est en train de révéler sa mission. Iblis lui a demandé de sacrifier le plus d'âmes possible avant la Toussaint. Franchement, je sais même pas quoi dire, quoi. Je peux même pas commenter ça. Ils sont tous mauvais, babe. Moi, je suis un mauvais boy. Ils font tous plaisir au diable, mais personne ne le fait mieux que moi. Ce qu'il dit, ils sont tous mauvais, mais lui, il est encore plus mauvais. Gros, je vais pas parler, car leurs âmes sont avariées. Aïe, 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 aïe. Leurs âmes sont avariées. La phrase parle d'elle-même. Ça veut rien dire, mais la phrase parle d'elle-même. Je suis en pleine évolution, je te jure sur ma vie, je vais faire rentrer des sous. Je suis en train de monter en grade dans le satanisme et je te jure que je vais empiler de plus en plus de péchés. Un petit message à toi, Dimo. Ce n'est pas en empilant les péchés que tu vas atteindre les sommets. Faites-moi confiance, moi je vais une carrière en vrai. Quitte à passer au-dessus de la barrière en vrai. Et je veux une carrière en vrai, quitte à passer de l'autre côté de la rive, c'est-à-dire rejoindre le côté de Baphomet, de tout ce qui est lié au satanisme. Si je te parle, c'est par intérêt. Si je te parle, c'est pour sacrifier ton âme. Eh oui, pour lui, il n'y a pas d'amis, il n'y a pas de famille, il n'y a plus des âmes à sacrifier. Il y a un maître à satisfaire, donc il y va. Et j'hallucine, quoi. Bon, les amis, là, c'est au tour de Smoke. J'espère que vous êtes prêts. Parce que je n'ai jamais vu un tel niveau de satanisme. C'est l'histoire de deux mecs sur un X Max Noir. Si on les fait cavaler, c'est qu'il n'y a plus d'espoir. Si on les pousse au suicide, c'est qu'ils n'ont plus d'options. Il va tellement vous harceler, il va tellement vous faire du mal que vous aurez des envies suicidaires, mes frères et sœurs. Étant donné que le suicide, c'est l'un des plus grands péchés, ça le fait monter en grade dans le satanisme. Là, il est presque au niveau de Satan. Il arrive petit à petit. Là, grâce à qui? Grâce à vous. Si elle fait des squats, c'est qu'elle veut que ça a mon goût. Je ressens plus d'amour dans mon carré que du dégoût. Ouais, mes sœurs, vous ne l'intéressez même plus. Étant donné qu'il a trouvé son confort, son bonheur, son amour dans le satanisme. Alors que lui, avant, il adorait les femmes. Comme on dit dans le jargon, c'était un craqué de la chine. Entre passer du temps avec Satan et passer du temps à l'intérieur de vous, il a vite fait son choix. Et si tu fais des trous, on te trouve pas d'à peu près. Si tu essaies de me séparer du diable, je vais t'ôter la vie. C'est d'une explicité extraordinaire, mes frères et sœurs. Et j'en trempe carrément. Car
cachette, j'ai pressé, je suis jamais le béton. Des âmes, j'ai sacrifié, des gens, j'en ai tué, mais je suis toujours sur terre. Et pourquoi? Parce que je suis immortel. Bah, tu sais quoi, Smooze? On va voir le jour de ton enterrement. Moi, je serai là le jour de ton enterrement pour voir si t'es bel et bien immortel. Espèce de con, va. Il voudrait m'empêcher de satisfaire Baphomet, mais je peux pas me laisser faire. Je dois faire encore plus de sale, comme dirait Doomsy. C'est triste. Aïe, 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 aïe. Vous avez entendu ce qu'il est en train de dire? Il est en train de parler en patois jamaïcain, mes frères et sœurs. Là, je vais essayer de vous traduire ça correctement. Je vais dévorer tes morts jusqu'au dernier, et ensuite je te laisserai vivant dans une tristesse inimaginable. Et vous écoutez ça, vous répétez ça, mais vous êtes cinglé, ma parole. Cinglé. Je vais faire du cash et me barrer loin d'ici. Et je compte bien partir avec Lucifer. Je compte faire du cash et me barrer loin d'ici. Et je compte bien partir avec Lucifer. Le gars, tellement qu'il est attaché à cette vie de serviteur de Satan, il ne veut plus s'en séparer. Même quand il aura le 1 000 000 d'euros, il va pas s'arrêter. Même dans sa tombe, il veut ramener Satan. C'est la vie de ma mère maintenant, je me constate comme en passion, voilà. Emmener les gens en enfer. N'écoutez plus cet individu, mes frères et sœurs. Bon, j'espère que je vous ai bien aidé avec cette analyse. Salam. Asta. S-E-I.